Salut les amis, c'est Bigouf, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans World of Tank Beats. Aujourd'hui on va partir sur un vous demandez, je fais, et on va partir sur deux chars bien distincts qui va être le fameux M4 et le T1 Heavy. Alors quand on regarde un petit peu dans la branche américaine des États-Unis, on voit bien que le M4 va aller vous débloquer le fameux M4 A3E8 qui est un médium de tier 6, ou alors vous aurez le choix le M4 A3E2. Au pire, je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y a entre ces deux chars. Ou alors directement partir sur le T1 Heavy que lui vous débloquera tout simplement le fameux M6 qui ressemble énormément au T1 Heavy. On va dire un petit peu plus costaud, quoi. Alors ce que je vous propose, hein, comme d'habitude, c'est de partir au combat directement avec ce fameux M4. Allez, c'est parti, qui est un char médium. Absolument. Et nous partons à Middleburg. Alors, qu'est-ce que nous avons en face? On a un KV1S, un KV2, un VK30-01D, un Churchill, un Crusader, un KV1 et un T34. Nous sommes équipés de Jack Panzer 4, un KV1S, d'un KV2, d'un Chinu, d'un KV1, il y a moi, et d'un Panzer, un MNS4C. Absolument. Allez. Alors là, on va juste croiser les doigts pour que la team fasse son boulot. Bon, on est que deux là-haut. Je pense que ça va certainement se passer plus vers le bas. Alors, on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'ils font? Bon. Bon, allez, on est parti. Alors, on voit 6 secondes 4 pour recharger, ce qui est relativement correct. Alors déjà, on a un lourd qui est spoté, ça c'est cool. Moi je fais surtout gaffe, c'est au KV2, hein, parce que là il peut faire très très mal. Bon déjà, apparemment ils sont tous en bas. Donc, ça c'est bon. Ça va faire nos affaires. Oh oui, cacahuète. C'est bon. Absolument, ouais. Ah ouais, vous savez que j'adore le beurre. nous, on va essayer de continuer là, hein. Ah, j'ai raté. J'ai pas appuyé sur le bouton. Oula, attention, Crusader qui arrive. Oh, il s'est fait craquer des deux côtés en même temps, c'était magnifique. Oh, c'était de toute beauté. D'accord, ça c'est fait. Merci, on verra bientôt. Alors, en tout cas, une super team. Hein. Allez, on va aller chercher ce T34. Oh, bah, j'ai même pas le temps de distribuer encore. Eh, laissez-moi en mettre quelques-unes encore. Non, mais reste là, toi. Bon, on tente. Allez, on va tenter. Ouais, bon, c'est pas nous qui l'avons fini, dommage. Bon, en tout cas, ce fameux M4 s'en sort plutôt bien, hein, mine de rien. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être les scores. Voyons voir un petit peu pour la première. Bon, on est à 1016, on n'a pas fait de kill, dommage. Mais on s'en est très bien sorti. On a une superbe team, franchement, qui a fait son job. On va regarder un petit peu. Donc, en tout cas, on a eu... ouais, donc ça, c'est bon. On va regarder les crédits. Bon, bah, la réparation du véhicule, hein, forcément, on n'a absolument rien. Consommable, on n'a absolument rien. Et on regarde, donc, ce qui nous aurait coûté hors premium, on aurait gagné 7519 de crédit. Et ça, ça fait plaisir. Alors, je vous montre un petit peu l'expérience, hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc, il y a un char relativement homogène, on va dire, pour son tiers. Moi, je le trouve assez sympa. Bon, là, on s'en est bien tiré. Maintenant, on va regarder très rapidement le fameux T1 Heavy, qui est, lui, par contre, attention, un char lourd. Lui, c'est un char lourd, c'est pas un médium. Hein, donc là, ça va se jouer autrement. Allez, c'est parti.
Alors là, nous partons à Canal et qu'est-ce que nous avons en face de nous? Nous avons un Churchill, un 2KV1, un Panzer 3-4, un Covenanter, un Matilda, un SU-85B. Nous nous sommes équipés d'un KV1, d'un Léopard, d'un T-34, il y a moi, d'un Luch, d'un SU-85B et d'un T-28. Absolument. Ok, alors, donc c'est pareil. Oui, tu dis, ouais, je baille. Pardon. Il venait du cœur, celui-là. Bon, déjà, c'est cool, ça. C'est quand je vois tout le monde... Bon, je vais suivre le KV1. Hein. Allez. C'est parti. Alors, lui, il a 5 secondes 5 de rechargement. Ça, c'est cool. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il recharge un peu plus vite que le M4, hein, si on les diffère rapidement sur le terrain. Alors, c'est vrai que... Oh, tiens. Est-ce que vous croyez... Ouais, bon. Bon, en tout cas... Oula. Ouais, nous, on va pas rester là. Parce que c'est vrai que c'est quand même un char qui est assez imposant. Non, recule le SU, recule, ça va être très très dangereux. Salut. Ah super, ça a bouncé. Toi par contre là-bas. Oh ça m'embête vraiment de casser ces chars. Hein. En plus vous savez c'est mes préférés les KV1. Bon bah je crois que celui-là il est foutu. Allez on continue à avancer. Alors, voilà, ils sont plutôt mal engagés. Ils sont plutôt très très mal engagés hein, l'équipe adverse. Super. Le petit Kevin Hunter qui est là-bas. Ah je l'ai raté, dommage. Je vais retenter. D'accord, ok, donc ça sert à rien. Bon, il y en a deux là. Alors, le Churchill et le Panzer 3-4, très bien. Ah, j'ai pété ma snille. Allez, go. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on tombe dessus. Ouais, c'est moi que v'là. Ça, c'est fait. Et ça c'est fait. Est-ce que tu peux pousser ton... Excusez-moi, je voudrais sortir, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Bon, où est notre dernier client? Et qu'est-ce qu'il nous reste? Le Matilda. Alors lui, il n'est pas gavé par la vitesse. Donc on va aller se faire plaisir et on va essayer de se le trouver. Non, et puis on va passer par là. Où es-tu, petit Matilda? Montre-toi. N'aie pas peur. Je veux être ton ami. bon, on va aller voir. Peut-être qu'il est AFK. Hein. Allez, comme ça, en même temps, vous profitez un petit peu de cette magnifique balade avec ce fameux T1 Heavy. On se promène. Regardez un peu cette magnifique chute d'eau. Hein. Oh, de toute beauté. Absolument, ouais. Oh, c'est beau. Hein. Bon, il est où? Ah, bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il est AFK. Est-ce que vous croyez que ça peut faire très mal si on fait une HE ici? Ça fait que dalle. Bon, ça c'est bon, ça va faire mes affaires. Ça va nous faire des points. Et voilà. Super. Bon, bah voilà, comme ça, ça sera 3 kills pour la journée. Ça s'est fait plaisir. Alors, voyons voir un petit peu maintenant les scores. Bon, j'avoue, avec une personne en moins... Ah non, ils en ont même deux, d'accord. Alors, on a fait un magnifique score de 1858 avec 3 kills, ce qui fait quand même plaisir. On va regarder bah, ce qui est crédit.
Et là, regardez, hein, mine de rien, sans premium, on est bon. Ah bon, on a quand même de la réparation, forcément, on a pris cacahuètes. Mais si on regarde quand même, on est à 17 342 crédits. Et ça, ça fait plaisir. On regarde un petit peu l'expérience pour ceux qui sont intéressés, comme d'habitude. Voilà, donc à dire que ce sont les deux, ce sont de bons chars. Hein, franchement, moi, j'aime bien. Après, s'il y en a certains qui me demanderaient, est-ce que j'aurais une préférence? Bah oui. Moi, je partirais directement sur les lourds. On regarde encore une fois, hein, très rapidement, hein, comme je vous ai dit, hein, le fameux M4, lui, ira vous débloquer soit le M4 A3E8 ou le M4 A3E2. Et le T1 Heavy, lui, débloquera directement le M6. Hein. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Mais c'est sûr que si moi, j'ai un choix à faire, je partirais plus sur ce T1 Heavy. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi un petit peu pour ma voix, qui a un petit peu la voix cassée. Mais bon, voilà, au moins on aura toujours pris autant de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous, de votre côté, vous aurez pris un vrai plaisir à la regarder comme d'habitude. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça me fera énormément plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles aventures. Allez les amis, portez-vous bien à la prochaine. Ciao !